Ça fait arriver de là-haut. Il y a quoi là-haut? Des ennemis. Here we go. Nobody messes with you, boss. Heads up, jackass. Une mine. Une mine. Il y en a une là. Mais comme j'ai le marchand de manille de marcher le nez en l'air. Pour regarder le paysage, ouh, joli. Eh ben, je les vois pas. Donc là j'avais tout fouillé, je sais pas s'il y a deux entrées ou pas. On va faire le tour quand même. Il y a une entrée ici aussi. Ah, un établi, c'est bien ça. Ah mais du coup... modifier. Est-ce que je peux modifier ça? Et lui mettre... Porter des armes plus 25. Mais oui. Mais bien sûr que oui. Dégâts électriques, plasma. J'aime bien le plasma quand même. Et du coup, ça va venir remplacer ceci. Ouh, ça va faire bobo. Ça va faire mal. Les balles électriques plasma sont beaucoup plus lentes que des balles classiques. D'accord. Après, quand je m'en sers pour tirer de loin, généralement, après ça, je pourrais... Comme là, par exemple. Voilà. Mais tu passes ton temps par terre, mais t'as pas des armes? Ou t'aimes pas celle que je t'ai donnée? C'est quoi le truc? Non, mais parce que si tu veux, je te redonne le lance-grenade, mais fais-toi plaisir, hein. Où ça?
Les armes à énergie N, ça baisse considérablement les dégâts des armes et ça fait des dégâts sur le temps aux ennemis comme une sorte de poison. Ah bon? 217, 273. Allez, vas-y. Ah, du popo de Raptidon. J'ai marché dedans. Ça porte bonheur ou pas? Puis il y en a partout, c'est dégueulasse. Vous utilisez dentifrice blancheur aveuglant de Tati aujourd'hui. Je souhaite faire suite à notre échange de la semaine dernière pour rappel pourquoi ma salle de bain était plus petite qu'un casier à munitions. J'ai envoyé Sullivan sur place avec le formulaire en triple exemplaire que vous avez exigé. J'aimerais vous rappeler que je suis l'unique responsable des locaux pour les trois installations et que je suis la seule personne contractuelle astreinte à passer la nuit sur site plutôt qu'à Roseway. D'après les normes standards dictées par les ressources humaines, mon poste ne donne droit à des commodités d'hygiène corporelle d'une superficie égale ou supérieure à 4 mètres carrés. J'ai passé le plus clair de ma journée d'hier à sortir un bras humain d'un hachoir à viande, petit bout par petit bout. J'ai même pas une fiche de douche dans mes quartiers. Arrangez-moi ça rapidement ou je vais finir par rentrer dans votre chambre par effraction pour utiliser votre salle de bain. Comme ça, vous aussi, vous pourrez connaître les joies d'aller gratter des immondices à travers une grille d'évacuation. N'oubliez pas que j'ai des caisses entières de crochets magnétiques sous la main, vous savez très bien que je ne plaisante pas. Je commence à manquer de suppléments caféinés. Tu crois que tu pourrais passer m'en apporter? J'ai comme une envie de changer la disposition de ma réserve depuis ce matin. Tu pourrais peut-être me redonner un coup de main. Ou pas, je sais pas. On pourrait se faire une petite marche jusqu'au terraformer. Ah, j'ai envie de... Jusqu'au terraformer aussi. Ça fait un bon moment qu'on n'y est pas allé. Le vent dans mes cheveux, le silence. Je crois que ça me ferait du bien. En ce moment, j'ai l'impression que ma vie se résume à nettoyer des viscères à la serpillière ou à rester les bras croisés sur ma chaise. Je suis toujours sans nouvelles depuis l'envoi des formulaires. Il y avait un accusé de réception sur le dessus de la pile. Vous êtes censé le signer et me le renvoyer dans les plus brefs délais. Et puisque je vous tiens, avez-vous vu porteur récemment? Personne ne répond à mes messages. La situation est complètement hors de contrôle ici. Verrouillez les portes et restez où tu es. Toujours un problème. Taux d'apparition des effets secondaires 5%. Note récupérée auprès du docteur Orson. Remise dans le casier de pièces détachées. Inventaire ajouté au registre pour usage personnel exclusif. Demande d'accès à une salle sécurisée sur mon temps de pause. Affectation d'un banc dans l'atelier des maintenances mécaniques d'armurerie, un bonus exceptionnel. Alors, on va pas y aller tout de suite. Les toilettes. Toup. Smells like something died in here. Les moucherons me poursuivent jusque dans les jeux. Ils m'en veulent. Sale bête. Alors faisons le tour. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faudrait que j'aille voir.
Si vous voulez le code pour entrer dans l'armurerie, venez me voir. Si je ne suis pas là, allez au bureau d'accueil au laboratoire. De toute façon, là, c'était un 2, 3, 4. Je crois. Ah, macérateur acide! On va pouvoir remettre le robot en fonction. C'est bien ça. Pistolet. Phlogis synchroton. Fonctionnel. Le personnel n'ayant pas suivi de formation spécifique doit obligatoirement assister au séminaire de sécurité. Je vais avoir un robot dans mon équipe. J'ai pas tout lu. Munitions diverses. Impossible d'accéder à la section munitions. Rien d'intéressant. Ouh, munitions! Intéressant. Downtown knows how to clean up after themselves. Le chemin de ronde de 6 l'a fait passer trop près des enclos de sujets d'expérience. Il a dû crachat de rapti plein le cerveau moteur de son bras balistique. Et vu qu'on n'a aucun bras de rechange, pas le choix, il va falloir le démonter pour pièce. Au moins 12 et 17 fonctionnent encore, ça pourrait être pire. Quelqu'un a essayé de saboter le diffuseur de messages obligatoire de 17. Il est resté bloqué sur le volume maximum jusqu'à ce qu'on fasse une réussite. Oh, quelle horreur! 12 a subi un dysfonctionnement majeur, porteur a endommagé accidentellement l'un de ses senseurs muraux. Cette saleté d'unité s'est mise à considérer tout le monde comme un intrus à tirer dans le tas. On l'a désactivé jusqu'au nouvel ordre et a commandé de nouveaux modules comportementaux au QG. Toujours pas de réponse à notre demande de modules comportementaux, attendons, on peut juste prier que personne ne fasse exploser le mur. Processing. Eh, je tire pourtant dans son truc bleu là. Alors, il me faut une arme comme ça. Debout, toi. Pourquoi j'ai pris ça? Oh, si, c'est bon. Tu fais toi un Iron Bull ou quoi? Toujours par terre là. Ça veut jouer les gros durs et ça tient pas deux secondes. Schéma du pistolet. Des dessins détaillés d'un pistolet complexe, on peut difficilement déchiffrer les modifications et les commentaires laissés un peu partout par le nom Orson Shaw, gribouillé dans un coin. Les schémas représentent un pistolet Plogisynchroton de la marque Force qui ne fait pas partie de la colonie d'Alcyon. Il est difficile de comprendre à partir de ses plans à quoi sert un truc comme ça. Je vais pas m'amuser à le relire. Le marteau de Vulcain, d'accord. Donc ça c'est toujours pour les armes de... Du savon là. Hop là. Ah oui, donc du coup celle que j'ai mis au rebut là. Parce que je disais qu'elle faisait pas beaucoup de dégâts, en fait elle fait des dégâts mais sur la durée, pas. Enfin, peut-être que je l'essaye alors. Donc ça c'est fait. Ensuite. Bon, visiblement il y a des ennemis quelque part là-haut. J'avais pas fouillé lui. Pourquoi ils sont tous là-haut?
Ah oui, tiens d'ailleurs, je suis pas allée voir là-haut. Faut que je me remouche. Hop. C'est horrible, hein. Ces derniers temps, là, mes allergies me lâchent pas. Et je pense que l'espèce de toux que j'ai de temps en temps, ça vient des bronches et c'est aussi lié à ça. Oups! C'est plus la saison. Bah écoute, pour moi il n'y a pas de saison, hein. J'ai l'impression que ça va pas en s'améliorant. Faudrait peut-être que j'aille voir un allergologue quand même. Parce que c'est bien beau de prendre des trucs homéopathiques, mais ça soigne pas des masses. Hein. Ouais, surtout j'ai un animal en moins, donc ça devrait pas. Tu vois, pendant un temps je me disais, bah c'est le chien, en plus avec tout ce qu'il perd et tout, en poils, en croûte et tout ce que tu veux. J'ai plus que le chat, bah ça va pas en s'améliorant. Reminds me of the first ship I crewed on. Captain had to ban borst and baked beans. Combiner les ingrédients dans un large pot, excepté pour l'alcool. Faites-le bouillir. C'est une recette de cuisine. Ouais. Si ça empire, c'est que c'est pas les animaux. On la retrouverait accrochée au ventrilo du plafond, la nana. Même plus peur. À faire comme elle fait avec mes sièges, mais sur le ventilo. Oui! Donc là, j'ai tout pris. Apparemment, oui. Donc, il faut aller là. On va faire un petit tour là-dedans aussi. Ça, ça. Quelle idée. On a le temps. On a le temps. C'est par où?
La 10. Ah non, ça c'est mon vaisseau. Donc c'est par là. Oh, voilà, qu'est-ce que je disais? Il y a encore un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? Il y en avait aussi à côté de d'Edgewater, hein? Il me semble, au loin, c'est ce qu'on voyait. Elle était visible, mais j'étais en train de regarder en l'air, alors si tu veux. Ah. Non. Ok. Non, c'est pas ça, c'était ça. J'aime ta tenue, toi. Je peux la piquer ou pas? Regardez-le faire le kiki avec son arme. Mais je veux te piquer tes fringues. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant que t'as bien mangé, tu vas me rôter au visage, c'est ça? Non, alors non. Nana, non. Je veux pas que t'ailles sur le clavier. C'est ça. C'est ça. T'as tout compris. Ça y est, le parti est farandouille. Oui. Oui. Je voyais ça, oui. Oh, et je l'ai vu, celle-là. Bon, après, ça fait un peu de bruit. Je confirme. T'es pas mort? Mais ils sont combien, là? Et tu as cigarette commémorative, cet étui bordé de métal était estampé d'une représentation célèbre de l'espoir. Le nom. Ah. Le nom Liliane est gravé à l'intérieur du couvercle, commandé par Spencer Strauss pour une édition spéciale anniversaire de la fondation de la colonie, pour rendre hommage aux vies perdues avec l'espoir, et rien de tel qu'une bonne cigarette pour se souvenir de quelqu'un mort asphyxié dans le vide intersidéral. Cherchant de l'air jusqu'à ses derniers instants.
Eh ouais, j'ai pris le coup de main. Maintenant, je fouille partout. Donc, ce sera encore un truc de déco, j'imagine. On va aller là-haut aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, ce truc-là, faut que je l'enlève. Ah ouh! Ceci est un message généré automatiquement en cas de détection d'une faille de sécurité dans la pyramide de laboratoire et en repose de Roseway. Tati Cléo souhaite vous rappeler qu'en cas de faille de sécurité, vous êtes tenu de détruire toute preuve liée aux expériences potentielles controversées en cours. Potentiellement controversées en cours. Veuillez vous emparer de l'arme la plus proche et procéder à l'élimination de votre cheptel de raptidon importé illégalement. N'oubliez pas de désactiver les clôtures électrifiées avant de pénétrer dans les enclos. Tati Cléo désapprouve l'usage de toute arme. Tout armement fabriqué ou conçu par Spacer Choice, si une arme non autorisée conçue par Spacer Choice Incorporated est retrouvée sur ou à proximité de votre dépouille, vous serez passible d'une amende pour violation de votre clause de non-concurrence. Oui, mais si t'es mort, tu fais comment? Non, c'est pas ça. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir diffuser ces messages-là. Pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment. Oui. Je souffre, je souffre. C'est pas facile d'avoir des cheveux, hein, Tom. Alors, chef porteur, nos raptidons semblent être la proie de problèmes qui relèvent de l'intimité, de l'intime. Si la loi a donné un quelconque instinct de conservation à ces animaux sanguinaires, ce dernier ne semble pas se manifester par le biais de la procréation. Sans toute vraisemblance, le comportement logique du raptidon commun semble être d'assurer la survie de son espèce en massacrant toutes les autres formes de vie qu'il croise sur son chemin. Je formule une seconde hypothèse. Pour une raison que j'ignore, ces raptidons refusent tout simplement de se reproduire. J'ai essayé de leur jouer de la musique, aucun résultat. Veuillez assurer Monsieur Crane que je travaille d'arrache-pied à la résolution de ce problème. Je crois savoir qu'il est impatient d'étudier le bagage génétique du raptidon alpha, notamment ses applications potentielles dans le domaine de l'hygiène dentaire humaine. Alors, je vous en prie, vous devez faire quelque chose au sujet de Reuben. Il n'arrête pas de s'occuper de mes raptidons. Encore aujourd'hui, il est venu me demander de renforcer la sécurité de l'enclos au cas où Roseway serait la preuve d'une attaque de brigands et de hors-la-loi. Au vu du secret qui entoure notre opération, je doute fortement que nous puissions être la cible. Gage. De bandits de grand chemin. Non mais franchement, Anton, nous sommes au fin fond du fondement de Terra 2 ici. À qui de droit, si vous lisez cette lettre, vous êtes soit un suppôt de l'odieuse et perfide faction des tyrans qui se cache sous le nom du Conseil, soit l'un de mes hommes qui rêvasse au lieu de patrouiller. Au premier, sachez que les jours de votre règne totalitaire sur la colonie d'Alcyone sont comptés, pardon. Le disque jour de votre jugement approche, je vous conseille de peser les mots gravés sur le piédestal d'Ozymandias et de réfléchir longuement à la condition humaine. Au second, j'irai simplement ceci, retournez à vos patrouilles, bande de crétins. Bienvenue, Elhan. Ouais, c'est tout. C'est pour ça que t'as fait ton choix. Je vais démanteler des trucs là parce que ça on veut pas. Pistolet léger.
Pourquoi est-ce qu'il a un petit symbole lui à côté? Saignement, c'est la même chose. Discrétion plus 7. Bon, de toute façon. It's the best choice. Donc ça c'est vu, maintenant faut qu'on aille là. Il y a du monde par ici. C'est quoi ça? Ah, c'est sûr, on peut aller au laboratoire en passant par en dessous, non? Il n'y a pas une connerie comme ça? Bah non, pas du tout. Il faut que je me remouche. Hop. Si. Hey, boss. I think we can get in through that vent shaft. Mais oui, mais ce que j'avais prévu de faire. After you. À mes souhaits. Ugh, getting acquainted with all sorts of colorful new smells today. Take a hint. Here we go. Ah, les qui coulent, les qui coulent. Pardon.
Bon, j'ai dû refaire le plein de mouchoirs. C'est pénible. C'est pénible. Alors elle se téléporte. Ah oui, les sédatifs, c'est vrai. On peut lire sur l'étiquette le Raptidor. Le statique Léo garantit d'endormir même le plus gros Raptidor pour une durée de 6 heures minimum et sans bombe antiseptique. Si une méthode de dispersion existait, cette bonbonne pourrait s'avérer très utile. Le 7 novembre, le N7D pour Mass Effect. Pour Dragon Age, le 4-12, le Dragon Age D. Ah bon? Faut qu'il nous explique le rapport quand même. Ah. Elle illuminait les raptidons. Trois devraient suffire à neutraliser les raptidons. D'accord. Donc il faudrait que j'en trouve trois, j'en ai trouvé qu'une. Éliminer les hors de loi, je ferai ça en sortant. C'était hier les 10 ans d'origine. 10 ans? Alors ici, j'imagine que toutes les bonbonnes ne sont pas au même endroit. Ce serait trop simple. C'est trop, je suis passée à côté. Something.
J'ai cru entendre quelque chose, oui. Là, en voilà une autre. Donc il en manque plus qu'une. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un problème de sprat. À cause de ces petits monstres qui dénotent nos câbles, le système de ventilation est HS pour le moment. Si vos raptidons sont de mauvais poil, vous allez devoir les mettre sous sédatif manuellement. Apportez quelques bonbonnes de gaz sédatif. Reliez-les au terminal auxiliaire dans la salle de recherche principale. La bonne nouvelle, c'est que mes chers marteaux d'Héphaïstos ont démoli vos rangers de riso adorés que vous en mangerez. Quand vous en mangerez votre chapeau, prenez un peu de sauce pasta tripique de Tati Cléo pour faire passer. Je vous prie de m'expliquer la catastrophe absolue que j'ai actuellement devant moi. J'ai là un formulaire autorisant le déplacement de notre mère Raptidon vers la salle principale, un formulaire que vous avez signé. Premièrement, l'intégrité structurelle de nos réservoirs Raptidon est loin d'être suffisante pour résister le meilleur Raptidon en colère. Deuxièmement, chacun sait que les Raptidons forment une espèce territoriale, très protectrice envers ses petits. Arrêtez-moi s'il y a trop de chiffres pour vous, je dis ça parce que vous avez manifestement un souci avec l'arithmétique de base, vu que vous n'avez pas l'air de comprendre un calcul aussi simple que mère Raptidon plus réservoir Raptidon égale massacre. Oh. Donc on va peut-être pas descendre tout de suite à mon avis. Si on essaie de les gazer. Faut juste que je trouve la dernière bonbonne. Il y a plein de façons de faire les choses. Ben, j'aimerais si possible... les gazer en fait, au lieu de les tuer. Il nous reste juste une bonbonne à trouver. Hey, you, over here. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Yes, I imagine he does. But we all have problems. It is the human condition. I am myself ensnared in this wretched place. You want to kill me. I don't want to die. Therefore, it is in my best interest to negotiate with you. Help me get out of here, and I will pay you for my life. Same reason you are, more than likely. I imagine you picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Il y a moyen de faire des trucs grâce à des machins sans parler des bidules. Crane actually sent out a cry for help? Oh, the poor bastard. Seeing his life's work snatched from him? Must be like losing a child. Crane is the man who runs this lab. Probably gone around the bend, fretting over his beloved research. Not that there's anything lovable about diet toothpaste. Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism?
I do not know what is worse. Working here or dying here. What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high-priority corporate facility hiding valuable research. This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like rats. So I would be very much obliged if you gave me a break. You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. I am good for my word. You will be equitably rewarded, on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Give me a little credit. We are not bandits. We do not steal research. We liberate it. So a few scientists were caught in the crossfire. I will not be accountable for every idiot who wanders in front of my gun. You misreckon me. My conscience is what keeps me from throwing in with these corporate parasites. I would rather die than spend my life in a lab coat researching diet toothpaste. It is my one bargaining chip. If you want this research, you will help me out of this mess. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Mais oui, oh. Crane is being used by Auntie Cleo. And now he is trying to use you. So what does that make you? Fair. But while I may be trapped for the moment, those scientists are trapped in corporate slavery for the rest of their sad, sorry little lives. Don't you see? I am setting these people free. I am doing them a favor. Won't you do me one in return? I do not want charity. I will put something pretty in your palm for your trouble. You have got my word on that. J'espère bien. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. On my honor, you will be well rewarded. Take your time. I am, to my chagrin, not going anywhere. You, Odile. Simon. Alors. Et voilà le troisième truc, très bien. Never imagined I'd say this, boss, but even a Raptodon deserves better. Espérance en cours à 98%. Pause automatique activée. Science 45.
Ah oui, je suis loin du compte. Et j'ai rien dans mon inventaire qui pourrait me permettre d'avoir ces points en plus. Donc c'est de la technologie, parade, furtivité, moins. Achever l'expérience. L'extraction du muscle se déroule sans accroc pour le moment. Le niveau de pression semble constant. Les variations observées dans les échantillons restent inférieures au seuil de tolérance. Je trouvais que les raptis puaient déjà la mort, mais c'est encore pire à l'intérieur. Quelque chose me dit que tout le monde va éviter soigneusement dans mon labo jusqu'à la fin des autopsies. Une seconde, il se passe quelque chose dans le couloir, l'alarme s'est déclenchée, je parie que c'est encore une de leurs foutus exercices, je vais aller voir. Ah. Ah oui, c'était ça. C'est vrai. En réponse à votre récente demande, je dois admettre que j'étais surpris de recevoir un message de Rosway, même si ce n'est pas aussi surprenant que vous pouvez le croire. Mes associés et moi sommes au courant que la ville n'est pas aussi morte que les cartes le disent. Vous seriez surpris d'apprendre combien c'est courant. Comme vous l'avez supposé, nous sommes vivement intéressés par les spécificités de vos recherches. Nous avons les ressources pour traiter les sous-produits dont vous disposez et les commercialiser. Si vous pouviez nous les obtenir en l'eau de 25 000 litres, nous serions prêts à vous payer généreusement. L'échange se ferait dans une des grottes à l'extérieur de la ville. Pour votre propre sécurité, veuillez détruire ce message, il convient. Ne comptez rien qui puisse nous mettre en danger, mais beaucoup de choses qui pourraient vous incriminer. Ne soyez pas négligent, docteur. Si vous avez besoin, appelez-moi Gary. Est-ce que c'est en rapport avec le la grotte là où il faisait de l'alcool, peut-être? Donc. Une chose après l'autre, déjà les raptidons. Où est-ce que je les gaze? J'y suis allée là. C'est pas évident à savoir, c'est pas indiqué. Parce que là, on ressort, donc c'est pas ça. Il doit y avoir un binou quelque part. Attends, j'essaye de trouver, et si je trouve pas, je te demande. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Je vais relire le truc là. Peut-être que je cours. J'arrête pas de marcher, mais. C'est la sortie. Non, on veut pas sortir. Où est-ce que j'avais lu le truc? C'est peut-être ici. Non.
Alors, apporter quelques bonbonnes reliées au terminal auxiliaire dans la salle de recherche principale. La salle de recherche principale. Est-ce qu'on sait où c'est? Laboratoire de Vaughan. Ce serait ça? Console de sécurité. Éliminer les hors-la-loi. Et là, ça me fait ressortir, donc c'est pas par là. Est-ce qu'il y a moyen de passer ces sales bêtes sans se faire Nice and voir? easy. Mais je dirais que c'est la console de sécurité. Ou la sécurité ici. Non. D'accord. C'est pas là. Parce qu'il y a tout des rapidons, mais ils sont à l'intérieur, donc ça va pas. Those innocent guns slaughtered. Orson, vous m'avez pourtant assuré que les nouvelles rations étaient sans danger, mais j'ai observé un éventail de symptômes inattendus. J'ai constaté des sécrétions anormales tous les après-midi, entre 14h23 et 14h43. J'ai déposé ce qui me semble constituer un échantillon pertinent dans votre boîte aux lettres. J'ai récupéré nos pièces d'automécanique. Si je te surprends encore à chipper dans les réserves, de là maintenant, je vais t'envoyer un blâme tellement corsé qu'il fera trembler les bureaux jusqu'à Byzance. On a déjà assez de mal à faire fonctionner cette saleté de machine, on n'a vraiment pas besoin de ça. Je devrais avoir une nouvelle dose de distillat concentré à te proposer ce soir. Si ça t'intéresse, on se retrouve. Là. Et faut que je me remouche.
How'd you do that so fast? Techniquement, on est où là? Là, c'est l'autre qui est enfermé. À moins qu'il faille aller là. Les bonbons doivent être installés près du système de ventilation dans la chambre d'incubation des raptidons. Donc, faut quand même aller là-bas. Mais, est-ce qu'il y a moyen d'y avoir accès sans les... attirer, là, ces sales bêtes ? Je pensais que c'était sur un autre truc, il fallait me... Bon, après, je peux toujours m'occuper d'eux, là. Ce sera ça de fait. Nobody messes with you, boss. Show them how it's done. Score one for Felix. Vulnérabilité au plasma. À force de vous brûler, vous êtes désormais d'un point d'avantage. Non. Les gros robots ont un poids faible. D'accord. C'est pas le truc... Je sais pas. Je sais que les petits robots, c'est l'espèce de carré bleu qu'ils ont... dans l'abdomen, là, mais... Bust it down or Jimmy the lock? Oui, c'est les rondelles de 12 ou... Ouais. Une carte d'accès.
like true professionals. C'est pas ce que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Et je suis surchargée. Alors, j'ai pas trouvé la carte magnétique là pour l'instant, mais je vais peut-être la trouver ailleurs. Et allez, je reprends plein de trucs. C'est un cercle sans fin. It ain't stealing if no one sees. De toute façon, il est mort, donc effectivement, c'est pas du vol. Hey, you got it open. I won't tell. Un livre. It ain't stealing if no one sees. Le truc inutile parce qu'en fait j'ai tout ouvert à la main. Going.
Le vol de volume sur le terminal est passible d'une amende d'au moins 3000 octos. Le vol a été signalé au poste de sécurité le plus proche. Merci de ne pas vous éloigner de ce terminal. L'officier de sécurité du site vous contactera. J'ai rien volé, c'est pas vrai. Pas du tout de quoi tu parles. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas trouvé la clé magnétique. Non. J'ai fait que me défendre. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. You got 1 minute. Starting now. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind to compromise. Think it's that easy, huh? You fly in with your fancy ship, say a few words, and everyone gets a happy ending. I let them walk. Doc Crane will be so far up my ass, everything will smell of flop sweat. I reckon I don't see any better solution. Fine, damn it. We'll pull out. Here, my key card. It'll get you access to the whole place. Full stakes, people. Cool. Back to town. Alors, du coup. Ah, dégage cette bête. Je croyais que c'était dans le jeu, mais non. Alors, c'était où? C'était là? Non, c'était pas là. T'es là. Bah. Je pensais que cette carte ouvrait toutes les portes. Bon, c'est pas grave. If they didn't want to tempt us, why'd they lock it up?
Tout ça pour ça? Bon. Et j'ai toujours pas trouvé où est-ce qu'il fallait que je... Coffre-fort était ouvert de force et son contenu retrouvé, retourné éparpillé de manière hâtive. Les notes qui restent mentionnent divers projets suspendus, mais les précieuses recherches d'Anton restent introuvables. Des éraflures le long du rebord témoignent de l'œuvre de voleurs peu délicats. De là probablement, ont dû s'enfuir avec les travaux d'Anton. On sait qui c'est, nous. J'ai des points de compétences. Le dernier lot est très prometteur. Je sais qu'il ne faut jamais vendre la peau du raptidon avant de l'avoir tué, mais j'oserais quand même dire que c'est une réussite totale. La fréquence d'apparition de caries est fortement diminuée chez les sujets utilisant le dentifrice. Et seuls les effets secondaires mineurs ont été observés. Rien de très grave, je vous assure. De simples épisodes de cécité ici ou là. Oh oui, c'est rien. J'ai plus de caries, par contre, j'y vois rien. Est-ce que vous pourriez travailler là-dessus? Continuez comme ça et vous serez muté à Byzance en un temps record. Un examen plus approfondi de nos résultats nous a permis de faire une découverte fascinante, même s'il a été prouvé que le dentifrice réduit bel et bien la formation de caries. La différence avec la formule témoin est en réalité minimale. Nos résultats précédents avaient été faussés par le fait que le sujet subissait une perte significative de l'appétit et mangeait donc beaucoup moins fréquemment. Voilà qui nous apprendra à surveiller nos sujets plus attentivement. Plus sérieusement, les propriétés coupe-fin de la nouvelle formule ont un potentiel incroyable, même si le goût et la texture actuelle laissent un peu à désirer. Pourriez-vous en faire votre priorité à compter de maintenant ? Inutile de perdre votre temps avec ces problèmes de cécité, nos équipes marketing sont déjà en train de plancher. Donc en fait, t'as moins de caries parce que tu manges moins. Je vous le dis, je vous le répète, ne vous souciez plus de cette histoire de cécité. Je salue votre acharnement à tenter de résoudre le problème, mais permettez-moi de vous dire que vous trompez de combat. Et c'est un défaut somme toute mineur au vu de l'ampleur des possibilités qui s'offrent à nous. D'autant plus en comparaison des problèmes de goût et de texture auxquels nous vous demandons de consacrer tout votre temps. Vous vous trompez également sur nos objectifs réels concernant ce produit. Ses propriétés coupe-fin le rendent encore plus utile dans les bidonvilles que dans une grande agglomération comme Byzance. La possibilité de réduire les rations de nos ouvriers pourrait redresser sensiblement nos résultats opérationnels. Et notre département marketing concentre tous ses efforts dans cette direction. Je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais serait-ce dû au fait qu'ils ont rejeté votre proposition du nom Appetit Zap? Je pense qu'il vaut mieux laisser le marketing aux équipes de marketing. Et un emploi qui mange moins, ça coûte moins cher. Et aussi. Sac à dos, ça me plaît bien ça. J'ai rien oublié. Ah, c'est bon. Bon, bon, bon. Porte de l'enclos. Ah, porte de l'enclos. Alors. Ah oui, mais non, mais c'est l'autre. Ça me dit toujours pas. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Ah, oh, c'est-à-dire que sa porte, on y a accès en passant, forcément. Ah, d'accord. Donc je suis quand même obligée de passer par là. Ou c'est moi qui... Ah oui, non, je suis obligée de passer par là. Mais qui fait ça? Mais ça va pas! Tu devrais faire chute encore plus fort! Bonjour la discrétion!
savez quoi? On my way. Vous restez ici. Non, j'ai dit. Coming your way. Ah oui, c'est comme ça. Sure. Maintenant, vous attendez. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Oh, really? And why, pray tell? Bah sinon, je te jette au Raptidon. Damn and blast. I should have seen this coming. Oui. Here, take the damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Good. I never trust a freelancer who works for free. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Allez. Fais-toi plaisir. Mais... Au revoir. Oh, mais j'ai de nouveau le message qui s'affiche là. Dieu. Du chat. Fait to connect to chat server, please try to reloading the page. Je veux bien essayer, hein, mais... Donc là, je viens... Ok. On verra bien. Non, rien du tout. Venez là. Moving out. Take your best shot, asshole. That'll learn him. Il est parti chercher ses copains. Alors, par contre, je sais pas si le chat fonctionne. Du coup. Non! Ah, c'est fabuleux!